Salut tout le monde, c'est TheGame68 et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft qui est assez joli. Attendez. Ah là c'est mieux. Voilà, donc on se retrouve pour une présentation d'instrument Redstone. Oh, il est excellent ce mode. Mode Moblend. Donc voilà, vous pouvez courir. Hop, hop, un petit freeze. Hop là. Et voilà pourquoi j'ai pas mis les autres shaders, parce que quand je filme c'est un peu impossible. On va laisser celui-là. Qui rajoute juste les ombres un peu, c'est sympa. Attends, je vais vous montrer qu'une épée c'est très sympa. Regardez, hop là. Plutôt sympa. Et à main nue aussi, hop là. Donc c'est le mode Moblend, donc si ça vous intéresse vous me le dites. Donc on se retrouve pour ceci, donc les shaders. Oui, ils font des trucs assez bizarres. Donc on se retrouve pour ça. Donc vous allez me dire que c'est qu'un tunnel fait en bois. Mais regardez. Hop, fermé. Attendez. Pour qu'on voit bien. Ouais. Hop, on va jeter une torche, comme ça on voit bien là-dedans. Mode dynamic light. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc première étape, ça pousse là-haut. Deuxième étape, ça pousse en bas. Et voilà. Donc je vais vous apprendre à faire ceci. Donc on va récupérer notre torche. Non, on va la laisser là-dedans. Et je lag un peu. Je suis à 20 FPS. Donc écoutez, on va enlever ce shaders. Voilà. C'est moins beau, mais bon. Donc on est avec le code crafted, le texture pack, pour ceux qui se demandent. Enfin le ressource pack, voilà. Donc, ce système se répartit en trois fonctions, enfin en trois parties. Vous avez celui-là qui détermine lequel doit être activé et l'autre éteint, donc c'est un flip-flop, voilà. Ensuite, vous avez le double extender vertical du bas, vous avez le double extender simple du haut, donc simple, voilà. Donc, attendez, on va faire ça comme ça. Attendez, on va enlever lui. Et regardez, quand on ferme la porte. Vous voyez, il ne se rétracte pas. Donc, je n'ai pas mis de piston collant. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Parce que sur en bas, bon, c'est des pistons collants, mais bon, du coup, comme j'ai désactivé là, va falloir, voilà. Et là, du coup, quand regardez, ceux-là d'en bas vont pousser jusqu'à arriver en haut. Voilà. Et ici, si je mettais pas ça, ça envoie juste une petite impulsion de 4 ticks. C'est important, 4 ticks. Parce que sinon ça restait allumé, enfin il y avait des pistons là et on pouvait pas y aller. Donc je l'ai fait sur deux parce que je connais pas de double extender aussi compact et qui ne dépasse pas un peu du haut. Donc c'est chiant ça. Donc attendez. Donc on va attaquer le système. Donc vous prenez n'importe quel bloc. Voilà. Vous mettez deux. Attendez, on va quand même s'éloigner un peu. Vous en mettez deux comme ça. Hop, 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 hop. La couleur du sol, hop. Ensuite, vous mettez deux répéteurs. Voilà, je freeze. Deux répéteurs, 4 ticks. Donc, dernier cran. Mettez deux blocs, deux torches. Donc, attendez, je vais vous montrer si vous voulez le faire comme ça. Donc, c'est comme là-bas. Sauf que. Alors, mais cela, hop, hop, hop. Pas la peine de mettre en pause, je le ferai sur l'autre. Donc oui, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, puisqu'avant j'ai freeze. Deux ticks, attention sur certains serveurs c'est trop rapide. Donc du coup les pistons, celui-là ne prend pas l'autre. Donc, important, si vous êtes sur un serveur qui lag bien, mettez 4 ticks. Et du coup, si vous mettez un levier, ici, hop. J'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? What? Ah bah. Même pas. C'est monsieur là qui s'allume pas. Enfin, madame la torche. Veux-tu bien reprendre le bloc? Ok, je ne comprends pas. Bon, donc vous mettez deux torches ici. Vous mettez le bloc du sol.
important. Donc là, les pistons se levaient, c'est pas trop grave. Bon, moi je vais les descendre comme ça, vous pouvez bien voir. Attention, sticky piston. Donc maintenant, c'est plus tellement dur de les avoir. Donc voilà, quand le sol sera plat comme ça. Ensuite, hop, hop. Ah oui! Ok. Oui, 4 tics en bas. Voilà. On va péter ça. Donc moi je le fais juste en double pour les deux pistons. Je suis sûr qu'il y a une manière plus compacte de les faire, mais bon, on fait comme ça quoi. Répéteur 4 tics, répéteur 4 tics. Bloc, bloc. Redstone, bloc en face. Planque en face. Deux torches. Deux blocs comme ça. Sans casser le sol. Redstone ici. Repeater 2 tics. Après, à vous de voir si vous êtes sur un serveur qui lag. Comme je viens de le dire avant. Et ça m'a l'air bon. Mais ici, si vous activez que de ce côté, ça fait que là. Donc, mettez repeater. Et du coup, vous avez un. Parti. Voilà. Mais voilà, si là, j'avais pas mis le. Attendez. Tant qu'y aller. Si j'avais pas mis ça. Il resterait en l'air comme ça et ça nous empêcherait un peu de passer. Hein. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va étendre un peu la plateforme. Donc je l'ai étendue. Ouais bon. Ça paraît bon. Hop, 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 hop. Après, maintenant, ce que je vous conseille, vous activez. Hop. Faites comme ça. Partez. Hop. Mettez 2, 2 comme ça. Non, on est un poil bas. Voilà. Mettez deux blocs du choix de votre porte. Écoutez, nous, pour que vous puissiez bien distinguer, on va mettre du diamant parce qu'on est riche. Hop. Quoique. Moi, je suis plutôt un faible pour l'or. Voilà. Voilà. Donc ensuite pour faire ce double extender, il y a pas plus simple. Donc mettez ça comme ça. Donc moi je vais hop, vous activez un coup, vous descendez. Vous en mettez deux ici de nouveau. Ensuite vous faites comme ça. Hop hop. Et voilà. C'est descendu en bas à la porte. Vous voyez? Et du coup quand on va activer. Voilà. Donc on va fermer le tunnel maintenant. Donc voilà. Allez. Donc voilà, donc le système est bien caché. Si vous le cachez bien, ouais. Sinon vous le faites au niveau du sol. Moi je l'ai fait au niveau de là. Donc regardez, je vous conseille de franchement regarder la vidéo en entier. Je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin de. Ouais. Il faut regarder bien d'abord la vidéo en entier pour voir déjà si vous avez les matériaux. Et voilà pour savoir à combien de distance il faut le construire du sol. Ensuite, nous, on va faire le bouton ici. On va récupérer le courant ici. Je l'ai fait comment là-bas? L'ai construit il n'y a pas moins de 10 minutes et j'arrive plus à le refaire. Vous faites comme ça. Donc on va faire un tel flip-flop. Mettez une torche ici. Le piston non collant. Attention, nos collants. Hop, mettez un bloc ici. Attendez, mettez un bloc de redstone. Et je sais, c'est un peu cher, mais bon. Et voilà. Du coup, vous avez ceci. Quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça fait? Déjà, pas poser un piston. Voyez? Donc c'est un peu lent. J'ai pris le T-flip-flop le plus classique. Enfin, le flip-flop le plus classique. Je m'embête pas pour l'instant. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est casser ça. Donc vous récupérez le courant par ici. Vous descendez. Mettez là comme ça. Donc hop hop hop. Sticky piston. Répéteur. Bloc en l'air. Répéteur 4 tics. Poudre de redstone ici. Enfin redstone. Et voilà. Parce que quand ça alimente le répéteur, quand il alimente dans le bloc, il alimente en dessous. Voilà, donc un effet. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est le machin qui devrait descendre. Et là on le fait remonter et on le refait descendre. Voilà.
Donc sur certains serveurs, je doute qu'il marche. Parce que c'est peut-être un peu rapide. Bon, bah là. Ou alors ça risque de laguer. Bon. Voilà. Donc vous faites. Vous mettez un repeater ici. Oui, je sais, encore un repeater. Comme ça. Comme ça. Ouais. Comme ça. Non, comme ça. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On arrive au bon compte et c'est fini. Donc, on appuie un coup, ça descend. Donc, c'est bon, ça. Et un coup, ça remonte. Ah, il y a de l'herbe là. Donc, pour corriger ça, c'est extrêmement simple. En fait, comme ça, voilà. Donc, voilà, c'est à peu près caché. Bon, si vous mettez pas du bois, je peux pas vous aider, mais. Enfin, si vous faites dans une caverne, vous mettez de la stone ou un truc comme ça, je sais pas moi. Attention à pas se faire écraser parce que voilà, c'est fatal. Et voilà, c'est bien. Et ben voilà, elle est finie. Cette porte est finie. Donc attendez, on va appeler un cobaye pour se faire volontairement écraser. Et on est en peaceful, ça va pas aller. Ou attendez, j'ai une idée. Attention. Oups, oups, crève. Oh non, il est mort. Bon, en même temps, c'est ce qu'on voulait faire. Je voulais faire spawner lui là. Le mode mode chicken, je crois qu'il s'appelle. Bim, 27 de damage dans ta face avec le mode Splinter Cell. Pas Splintercraft quoi. Splinter Cell, voilà. Enfin bref, c'est un très bon mob. Donc on va faire spawner un. Faire spawner Sam. Hop. Donc la porte se ferme à. Où? Ouais, attendez. Ok, elle se ferme juste là. On va voir. Je vais vous montrer ce qui se passe si vous restez au milieu. Donc là, nous avons Sam. Voilà. Voilà ce qui vous arrive. Et là, il est mort. Il m'a rien droppé, le connard. Bon. Enfin bref, on va enlever ça. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas non plus à faire ce système, à l'améliorer peut-être, à le compacter. Je pensais à toi, FS Julien, qui regarde peut-être cette vidéo, qui peut. Je sais pas si tu peux le compacter, si tu peux. Bon, 3x3, je doute que tu arrives à faire. Déjà, moi, j'ai du mal à trouver un 3x3 assez compact. Et qui a pas un bloc. Attendez. La plupart des 3x3 que j'ai vus, ils ont un bloc en haut. Du coup, ça fait ça. En triple. Attendez. Quand il se réattaque, ça fait ça en triple. Voilà. Et ça reste comme ça. Et vous pouvez pas passer. Donc j'essaie d'en trouver un bon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le reconstruire. Si vous avez des problèmes avec le système, bah n'hésitez pas à me le dire. Putain, on dirait que ça soit dans les airs. Et je vous répondrai. Donc voilà, allez, salut tout le monde! Boxing, boxing!